Bonjour, c'est un plaisir et un honneur pour nous, sur la Terre Vie et Claude Couture, de participer à cette belle initiative du Centre d'études canadiennes à Innsbruck. Notre présentation portera sur notre dernier ouvrage coécrit, intitulé « Britannicité, présence française dans l'Empire britannique au cours du long 19e siècle ». L'ouvrage a paru en 2020. Nous sommes respectivement nés, l'une à Kolkata au début des années 1960 et l'autre à Montréal au milieu des années 50. Dans ce projet de livre, nous voulions tout simplement explorer la signification de la présence permanente dans nos vies, malgré la distance considérable qui sépare nos origines d'un ensemble politique, l'Empire britannique. Moi-même, j'ai suivi les traces de l'Empire par l'entremise d'une carrière universitaire spécialisée en études de littérature francophone qui m'a amenée de la Calcutta, donc Kolkata, comme on le connaît aujourd'hui, de Warren Hastings, jusqu'à Singapour, ensuite en Australie et finalement au Canada. Claude Couture est né au moment où la période Duplessis entrait dans sa dernière phase. Après un doctorat en histoire à l'Université de Montréal, il a passé une carrière de plus de 30 ans à l'Université de l'Alberta, en plein cœur au Canada britannique. Quand il est arrivé à Edmonton il y a plus de 30 ans, on y chantait encore lors de la collation des grades avec le Haut-Canada, le God Save the Queen. L'Empire britannique, malgré son démantèlement entre 1947 et les années 60, a laissé des traces. Et ces traces, nous croyons, ont encore une grande influence dans le monde aujourd'hui. C'est la construction systématique de cette britannicité que nous explorons dans ce projet. Nous tenons à souligner le fait que notre interprétation de britannicité est à l'encontre de la traduction habituelle de ce terme en anglais, voire Britishness, qui se voit généralement défini dans un cadre théorique du nationalisme. Notre approche est transcoloniale, voire transimpériale. Nous arguons que le système impérial britannique a été construit méticuleusement tout au long du 18e, 19e siècle, et que dans ce projet colonial, non seulement les Britanniques, les Anglais, les Gallois, les Écossais et les Irlandais, ont-ils joué un rôle crucial, mais aussi les Français de France et les Canadiens français y ont participé avec succès. Nous structurons ce projet autour de trois figures historiques. Claude Martin, mercenaire français qui a déserté l'armée française en Inde et qui a fait fortune en travaillant pour la Compagnie britannique des Indes orientales. À sa mort en 1800, Claude Martin, soldat, financier et aventurier sans scrupules, a laissé une fortune importante qui a servi, selon sa demande dans son testament, à l'ouverture de collèges privés qui existent encore aujourd'hui à Kolkata, à Lucknow et à Lyon en France. Je suis moi-même une finissante de l'une de ces écoles, la Martinière à Kolkata. C'est tout de même ironique quand on se rend compte que des milliers de jeunes Indiens anglophones se souviennent de ce cosmopolite transcolonial d'origine française pour son cœur pur et impeccable. Notre deuxième figure, c'est le père Jacques-Désiré Laval, qui est né en Normandie en 1841. Il a rejoint la Société du Saint-Cœur de Marie, fondée par le père François Liberman, plus tard appelée la Congrégation du Saint-Esprit ou encore les Spiritains. Il s'est embarqué sur le Tanger la même année à destination de l'ancienne île de France, île Maurice, à l'époque où les Britanniques venaient juste d'abolir l'esclavage. Les Britanniques remplaceraient la main-d'œuvre forcée d'origine africaine avec les engagés d'origine indienne qui travailleraient sur les plantations de canne à sucre, dont les propriétaires étaient les descendants des premiers colons français établis sur l'île Maurice. Le père Laval restera l'île Maurice jusqu'à sa mort en 1864, se consacrant à la vie spirituelle des esclaves affranchis. Une troisième figure, c'est le père Albert Lacombe. Selon l'historien Raymond Rouel, les 100 ans d'histoire des Oblats dans l'Ouest canadien à partir de 1845 sont marqués par deux principales périodes, avant 1870 et après. Le père Lacombe, donc, a joué un rôle important, voire essentiel, dans les deux périodes de la mission oblate, celle de la mission ambulante et celle d'une approche plus sédentaire symbolisée par la cas des écoles résidentielles. Pour les Albertains, le père Lacombe, né au Québec, est une figure légendaire, inoubliable au 19e et au 20e siècle,
pour ceux et celles qui ont été ses contemporains et leurs descendants. D'une certaine façon, bien qu'il n'ait pas été béatifié, le père Lacombe jouait dans sa communauté d'un statut comparable à celui du père Laval à l'île Maurice. La réalité, vue sous l'angle de la britannicité, peut apparaître beaucoup plus complexe. Je donne la parole à Claude qui expliquera en plus de détails la structure et la thèse de cet ouvrage. Merci. Alors, comme vous le voyez à l'écran, le livre se divise en deux parties, de trois chapitres chacun. Dans la première partie, on examine la littérature contemporaine sur les empires, l'historiographie de l'Empire britannique et finalement les institutions de l'Empire britannique. Après la Première Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'études ont été faites sur le nationalisme et très peu d'études ont curieusement porté sur les empires. Depuis 20 ans, cependant, il y a une recrudescence des études sur les empires et de plus en plus d'auteurs essaient de comprendre les événements contemporains avec une grille non pas nationale, mais avec une grille trans-impériale et transcoloniale pour voir l'enchevêtrement des empires et les conséquences de cet enchevêtrement jusqu'à aujourd'hui. Dans le premier chapitre sur les empires, et en particulier les empires britanniques et français, on voit à travers la revue de cette littérature que les empires britanniques et français, loin de vouloir céder le pas après 1945 pour des raisons humanitaires, ont tout fait au contraire pour garder leurs empires, en déployant, par exemple, des moyens considérables au niveau militaire et bureaucratique pour conserver ces empires, lesquels, cependant, ont été démantelés pour la simple raison que la pression des peuples qui se soulevaient était trop grande. Les Britanniques et Français ont été obligés de se retirer. Mais encore une fois, ce n'était pas par souci de justice internationale. Dans le second chapitre sur les écoles historiographiques sur l'Empire britannique, on a, nous, fait ressortir une idée très importante qui était celle de l'historien John Robert Seeley dans un ouvrage publié en 1883 intitulé « The Expansion of England ». Et dans cet ouvrage, qui est en fait une série de conférences données par Seeley dans les années 1880, sa thèse qui est devenue célèbre est que les Britanniques avaient développé un empire par distraction. Or, nous, évidemment, et en suivant l'exemple de plusieurs autres auteurs, nous croyons au contraire que les Britanniques n'ont pas développé un empire par distraction, mais ont au contraire développé un empire de façon très méticuleuse. Une des conséquences importantes de cette thèse, même encore défendue par certains auteurs au 21e siècle, cette thèse de l'empire développé par distraction, ça a été que plusieurs ont tendance aujourd'hui à acquitter les Britanniques de toute responsabilité pour ce qui est arrivé entre 1750 et 1960, partout dans le monde, mais en particulier en Asie et en Afrique. Le troisième chapitre est justement une description de ces institutions développées minutieusement par les Britanniques depuis le 18e siècle. Et dans ces institutions, on retrouve aussi un aspect important qui a été le rôle essentiel joué par l'imprimé dans l'Empire britannique. Et donc, dans ce chapitre, en plus des institutions, on regarde aussi quelques-uns des textes fondamentaux qui auraient marqué l'Empire britannique. Parmi ces textes, le plus important peut-être, selon nous, a été un ouvrage d'Edward Gibbon Wakefield, publié en 1829. Et intitulé « Letter from Sydney ». Dans ce texte, l'auteur prétend être en Australie, mais en fait, Wakefield écrivait d'une prison en Angleterre dans laquelle il se trouvait, parce qu'il avait kidnappé une adolescente de 15 ans qu'il cherchait à épouser pour sa fortune. 10 ans plus tard, une fois libéré, Wakefield a accompagné Lord Durham au Canada, et il aurait joué un rôle extrêmement important dans la rédaction du fameux rapport Durham. La thèse de Wakefield sur la colonisation reposait sur deux idées, simplement. S'accaparer la terre, coûte que coûte, dans tous ces territoires conquis, et gérer la gestion de ces nouvelles possessions en imposant le droit britannique.
Et cette vision de la colonisation est devenue une sorte de roadmap au 19e siècle. Un autre aspect important du système britannique, selon nous, a été l'utilisation dans les colonies de l'Empire de missionnaires catholiques, irlandais ou d'autres nationalités, comme les Français de France et les Canadiens français. C'est que les autorités britanniques coloniales, souvent à couteau tiré avec certains groupes protestants qui prenaient parti pour les coloniser, particulièrement les groupes protestants millénaristes qui croyaient dans la fin du monde en 1900, ont décidé de partir à partir des années 1820 et plus systématiquement après 1850, de faire appel à des missionnaires catholiques qui étaient plus dociles et moins enclins, disait-on, à demander un financement plus élevé. Aussi, dans l'Empire britannique, après 1750 et de façon systématique au 19e siècle, deux types de mercenaires d'origine française ont joué un rôle important dans cet empire britannique. Les mercenaires militaires et les mercenaires religieux. Et comme Sylvain l'a déjà expliqué, dans la seconde partie du livre, nous examinons trois exemples de ces mercenaires. Le major général Claude Martin au 18e siècle en Inde, le père spiritain Jacques-Désiré Laval à l'île Maurice, dans la première moitié du 19e siècle, et le père Aubin Albert Lacombe au Canada dans la seconde moitié du 19e siècle. En résumé, pour nous, la britannicité, donc la complicité coloniale et française au 19e siècle, marquée d'une part par l'acceptation en général par les différents régimes français au 19e siècle de l'ordre international dominé par les Britanniques après 1815, et d'autre part par la présence très fonctionnelle de Français dans l'Empire britannique. En apparence, rivaux coloniaux britanniques et français, comme l'avait observé Edward Said, ont été en fait très complices. Pire encore, sans doute, selon nous, les Français, que ce soit dans leurs aventures coloniales en Algérie, au Sénégal, en Corée, au Japon, ou au Vietnam ou ailleurs, ont été, d'une certaine façon, des imitateurs. Dans d'autres cas, comme dans le cas de la Seconde Guerre de l'Opium en Chine entre 1858 et 1860, les Français ont été des alliés militaires des Britanniques. Et pour nous, cette complicité était symboliquement marquée dès le 18e siècle par le château de Claude Martin dans le nord de l'Inde, à Lucknow. D'ailleurs, lors de la Grande Rébellion indienne de 1857-58, l'ancien château de Martin est devenu le symbole de l'oppression coloniale dans cette région de l'Inde. Et son contrôle a fait l'objet de combats très sanglants lors de la rébellion. Alors voilà, en résumé, notre livre. J'espère que ce livre saura vous intéresser. Et encore une fois, merci. Merci de votre attention.